Yes. Le lot numéro 30 présenté par la SEA Béarn Arabien, c'est Jean Biradin nous présente cette fille d'Anzilero et d'Issoa du Suc, une fille d'Irisnois. Le lot numéro 30, donc une angle arabe à 17, à 60%. Alors la première mère n'a pas couru, la deuxième mère non plus, mais elle a produit et bien produit en directement ou une souche après, c'est-à-dire en tant que, bon, en tant que grand-mère, puisque c'est la grand-mère de Mosaka, et même la mère de Mosacha, et la grand-mère également de Mosacho, qui vient de gagner il y a quelques jours le prix du jardin d'Abbès à Dax. C'était le 20 septembre dernier. C'est également la famille de Chirco, la proche famille de Chirco. Cet excellent cheval en obstacle, puis en plat d'abord, puis en obstacle, parce qu'il avait gagné le Grand Critérium des Anglo-Arabes en plat, et plus tard le Steeplechase National des Anglo-Arabes à Anguin, également vainqueur à Auteuil. On va demander de marcher, s'il vous plaît, pour ce lot numéro 30, si vous pouvez faire un aller-retour au pas. On retrouve donc Cherco, le pigeon, la jolie luciole et également Bénévolo de Pavan, le champion anglo-arabe, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur champion anglo-arabe de ces dernières années. Donc pour ce lot numéro 30, présenté par Jean Birala, d'Anzina, une fille d'Anzilero et Issoa du Suc. Le lot numéro 6 chez les mâles.